Salut tout le monde, c'est Vince, bienvenue sur Limite. Alors, avec l'équipe, on est en train de se balader sur Internet et on est tombé sur une véritable pépite. Il s'appelle Noé, il a un talent incroyable. Et aujourd'hui, on a décidé sur la chaîne de vous partager sa première vidéo qui s'appelle « Le donut qui va sauver notre planète ». Car on pense qu'elle peut vous aider à secouer le cocotier, déjà le vôtre, mais aussi celui de votre entourage, et contribuer à sauver le monde. Car il est évident que les sujets qui vont être abordés pour les plus habitués de cette chaîne, qui regardent absolument tout, bah vous allez déjà savoir de quoi il en retourne, vous allez certainement apprendre d'autres choses. Mais ce qui nous intéresse chez Noé, c'est la façon avec laquelle il ramène ces choses-là, ces sujets, le ton, l'humour, bref, le genre de truc que je kiffe. Et on sait qu'avec pas mal de gens, bah on a beau expliquer les choses avec notre façon, bah parfois ça percute pas. Et ce qui est bien avec Noé, c'est que je suis sûr et certain qu'il peut toucher des gens et vraiment faire shifter des personnes. Alors n'hésitez surtout pas à liker, commenter et bien sûr partager cette vidéo pour donner de la force sur les réseaux sociaux à ce genre de sujet. Parce que pendant que vous y êtes, si ce n'est pas déjà fait aussi, abonnez-vous vraiment à Limite. Car plus vous serez nombreux à être abonnés, mais plus nos vidéos bien sûr vont toucher plus de monde en dehors de nos bulles respectives. Et c'est vraiment ça le but, pouvoir parler de tous ces sujets liés à l'anthropocène, aux limites planétaires, aux limites à la croissance, à l'épuisement des ressources, à des gens qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, ou du moins qui en ont une vague idée, et dans absolument tous les types de publics. Sur ce, j'ai fini de parler, je passe le relais à Noé, faites-lui un accueil à la hauteur de son talent, et surtout un accueil à la hauteur de tout ce que vous avez pu faire pour moi, juste depuis que j'ai lancé cette chaîne. Je tiens à préciser que vous êtes vraiment des personnes en or, vous êtes incroyables, le nombre de messages positifs, le nombre de rencontres dans la rue, c'est génial. Et ben, si on peut faire la même chose pour Noé, ce serait vraiment le top. Ah oui, et avant que je parte, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car Noé va vous annoncer une excellente nouvelle qui concerne la chaîne. Allez, fini de parler, Noé, c'est à toi. Yo l'équipe, merci pour l'accueil, merci Vince, régalez-vous bien de la vidéo. J'ai essayé d'aborder en 15 minutes les enjeux énergétiques et environnementaux de notre ère. J'ai fait de mon mieux et on se voit à la fin de la vidéo. Moi je vous propose de vous joindre à un donut. Le donut se compose en deux anneaux. Hop hop hop. Pas si vite. Revenons un peu en arrière. Il y a 6 mois, je suis tombé sur une vidéo qui allait changer ma vie à jamais. Vous finirez votre vie dans un monde sans croissance. C'est que PIB ou CO2, faut choisir. Si vous voulez plus de PIB, vous aurez plus de CO2, tant que ça passe. Tant que ça passe. Et malheureusement, c'est le monde qui vous attend. Je me retrouve seul dans ma chambre, face à une réalité que je peux plus ignorer. Ce que j'ai découvert touche aux enjeux les plus importants de notre génération. Genre ça nous touche toi et moi. Faut que je te raconte tout ça. Dans le monde, il y a 3 types de puissances démesurées. Les dieux, genre Bouddha, Odin, Zeus. Les demi-dieux, genre Hercule, Achille ou David Goggins. Who's one more to carry the boat? Et les humains avec de l'énergie fossile. En cramant du pétrole, du gaz ou du charbon, on émet une quantité incroyable d'énergie. Non, pardon, pas incroyable. Démesurée. Regardez ça. Johan, un champion du monde de vélo de piste avec 2 baleines dans chaque cuisseau qui bombarde sur un vélo à résistance 69 pendant de longues minutes. Et il produit 0,021 kWh. Juste assez pour se faire toaster 2 petites tranches de pain. C'est tout. 1 kg d'équivalent pétrole, c'est à peu près 10 kWh. Ça veut dire qu'il faudrait 500 mecs galbés des cuisses comme Johan pour égaliser 1 litre de pétrole en énergie. Un baril de pétrole, c'est 5 ans de travail humain. Sachant que on utilise 100 millions de barils par jour. C'est-à-dire que pour atteindre la même quantité d'énergie de nos mains, il nous faudrait 500 milliards d'années de travaux humains. Ça vaut à peu près 11 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 0. Le gaz et le charbon sont aussi giga denses en énergie. Et les 3 ensemble, le pétrole, le gaz et le charbon, c'est 80% de notre énergie mondiale. Qu'est-ce qu'on fait de ces gains d'efficacité et de ces ressources richissimement denses en énergie et épuisables à faible coût? Eh bien, c'est le boom économique. Et l'économie nous dit merci aux clients fidèles. Merci aux clients fidèles. Merci pour toutes ces avancées. Le pétrole est omniprésent dans nos vies. Par exemple, prenons tous ces objets sur la table. Voilà ce qui resterait sans le pétrole. Voilà, il reste plus rien. Normalement, il y a le t-shirt et le micro qui va avec, mais pour l'intérêt de la vidéo, on va les garder. Sauf que voilà, en parallèle de ces avancées, dans l'ombre, se jouent des conséquences délétères et horribles. Climate change. Climate change. And the problem seems to be getting worse and worse and worse.
Derrière les plus belles richesses se cachent les pires cauchemars. Une boîte magnifique offerte par les dieux avait l'air comme le meilleur cadeau du monde, alors qu'en réalité, elle abritait les pires dangers. Pandore, par curiosité et avidité, ouvre la boîte, libérant ainsi une infinité de forces malveillantes dans le monde. L'adoption des combustibles fossiles suit la même logique. Au début annoncée comme une merveille nous permettant d'alimenter le monde moderne, la consommation incontrôlée des combustibles fossiles a engendré des conséquences climatiques et environnementales qui menacent notre existence. À cause des énergies fossiles, on s'est cru surhumain. Sauf que voilà, plus de consommation, ça veut dire en amont on prélève plus et en aval on fait plus de déchets. On a dépassé les limites. Et je parle des limites planétaires. C'est les frontières naturelles essentielles que notre planète peut encaisser sans subir de dégâts irréversibles. Sauf que voilà, on est déjà en train de franchir 6 des 9 limites planétaires. La biodiversité, le changement climatique, le cycle de l'eau, du phosphore et de l'azote, et j'en passe. Le 29 juillet, on a atteint le jour du dépassement. En gros, à la moitié de l'année, on a déjà consommé les ressources et les services écologiques qui peuvent être régénérés en un an pour le reste de l'année. En gros, on est en train de prendre aux générations futures. Malheureusement, comme la boîte de Pandore ne peut être fermée, inverser les dégâts causés par des décennies de combustibles fossiles, c'est compliqué. Très compliqué. Mais ça s'arrête pas là. L'Agence internationale de l'énergie prévoit qu'en 2025, au niveau mondial, on aura déjà consommé la moitié du pétrole disponible. En gros, on va rentrer en décroissance énergétique. On est bloqué d'un côté par l'approvisionnement qui se restreint, et de l'autre, si on consomme trop, les conséquences seront létales. Mais quand je dis létales, je pèse mes mots. À l'allure où on va, le business as usual nous mène vers un monde à plus 3,3 degrés. Ça veut dire qu'il fera tellement chaud et humide au niveau de l'équateur que si tu sors, tu meurs. Mais alors, comment on sort de ce merdier? Déjà, il faut qu'on comprenne un peu plus comment on s'est mis là-dedans. Revenons à la base. CO2 ou PIB, il faut choisir. Les deux sont parfaitement joints parce que sans énergie, il n'y a pas d'économie. Our gross national product now is over $800 billion a year. It measures everything in short, except that which makes life worthwhile. And it can tell us everything about America, except why we are proud that we are Americans. Pourquoi le président des États-Unis dirait une chose pareille? Parce que le PIB, il vise à mesurer la richesse créée par les acteurs publics et privé sur une période donnée et il additionne toutes les transactions. Sauf que le PIB ne peut pas être considéré comme une mesure de bien-être parce qu'il ignore la nature des transactions qu'on analyse. Prenons l'exemple d'une rivière. Si une usine la pollue massivement, le coût de nettoyer cette pollution sera ajouté dans le PIB, ce qui donne de la croissance économique. Sauf que là, on voit bien que le PIB, il reflète pas ni la pollution qui vient d'être causée, ni la santé qui vient d'être dégradée, ni la qualité de vie des habitants qui sont autour. Dans le cas contraire, si c'est des bénévoles qui nettoient la pollution, il n'y aura pas de transaction économique. Ce qui veut dire que ce ne sera pas comptabilisé dans le PIB. Alors même que du coup, on a nettoyé et on a amélioré les conditions de vie. En gros, ce qui compte ne peut pas toujours être compté et ce qui est compté ne compte pas forcément. Mais alors, pourquoi on suit la croissance du PIB tête baissée? Plus de PIB égale plus heureux? Au-dessus d'un certain seuil, c'est pas vraiment le cas. On voit qu'à partir de 19 000 de PIB par habitant, la courbe s'aplatit et on voit pas vraiment de gain de bonheur. Réduire les inégalités? Bah en fait, il y a une différence entre quantité et qualité de croissance. Notre PIB n'a fait que croître ces dernières décennies et pour autant, les inégalités aussi. Mais c'est même pas le pire. Le pire, c'est ça. Comment un paysan met à la rue un roi? Le roi Dagobert promet une récompense fabuleuse à qui lui proposerait une distraction satisfaisante. Le paysan Jean lui présenta le jeu d'échecs. Le roi, en échange, demanda à Jean ce qu'il désirait. Jean le craquito demande au prince de déposer un grain de riz sur la première case, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, et ainsi de suite, pour remplir l'échiquier en doublant la quantité de grains à chaque case. Sans s'en rendre compte, il vient de précipiter le royaume dans la ruine, car les récoltes de l'année ne suffiront pas à payer Jean. Et bah c'est pareil avec notre PIB, une croissance de 3% par an, ça veut dire une économie qui double 64 fois, en 1472 ans. Ça veut dire que notre économie sera 9000 milliards de millions de 342,8 fois plus grande que notre économie réelle aujourd'hui. Pour mieux comprendre l'ampleur de chiffres, imaginez tous les grains de sable sur cette planète, et bah dites-vous que ce chiffre, c'est plus que ça. Un moment, il va falloir qu'on sorte de ce paradigme du PIB infini et exponentiel. Le plus tôt on le fera, le moins de dégâts il y aura. Bon,
Si on subit une contraction des énergies fossiles d'un côté, et qu'en plus ça brûle la planète, et ben on a juste à changer d'énergie. Genre les énergies renouvelables. Non ? Et ben non. Si on fait ça, voyons avec une analogie comment on traite le problème. Imaginez que vous ayez plusieurs symptômes. Un mal de tête, un mal de ventre, des vomissements. Si vous prenez des médicaments pour chaque symptôme, par exemple pour le mal de tête, Doliprane. Pour le mal de ventre, Passefond. Pour les vomissements, Vocalib. Bon bah vous êtes en train de traiter les symptômes un par un. Mais si on vous révèle que tout ça ne sont que les symptômes d'un cancer généralisé, les médicaments ça va pas suffire. Il faut un traitement de choc. Il ne faut pas traiter chaque problème individuellement, il faut revenir à la source. Et oui, rappelez-vous, on a 9 limites planétaires. Le réchauffement climatique c'est important, mais ce n'est qu'un des symptômes. Le problème à la source, c'est notre croissance. Si on veut plus de croissance économique, donc plus de PIB, ça veut dire plus de consommation, ça veut dire plus d'extraction, donc plus de dégâts et plus de déchets. Donc, changer le style d'énergie ne change pas le fond du problème. La décarbonation, elle est centrale, mais si on consomme toujours autant, on fonce toujours droit dans le mur. Surtout que pour la même consommation d'énergie, ne passer que aux énergies renouvelables, ça demande à extraire beaucoup beaucoup de minerais. Et on n'est même pas sûr d'avoir les ressources pour faire ça. Que la tronçonneuse marche avec des énergies fossiles ou des énergies renouvelables, à la fin du compte, elle coupe toujours l'arbre. Pour revenir sur la métaphore du cancer, au lieu de le guérir, on est en train de passer d'un cancer du foie à un cancer des poumons. Mais est-ce qu'on pourrait pas faire de la croissance verte? C'est-à-dire qu'on continue à croître économiquement le PIB, mais en même temps, on arrive à décroître notre empreinte sur l'environnement. Comme on a vu tout à l'heure, c'est pas possible. Aucun découplage significatif a eu lieu entre le PIB et notre empreinte sur l'environnement. C'est un fait. Une croissance infinie dans un monde aux ressources finies, c'est impossible. Si la croissance du PIB est impossible à tenir et est mortifère, Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on fait, gros ? Bonne question, merci Bengus. Je réponds à la question où est-ce qu'on va et vous me dites qu'est-ce qu'on fait. Moi, je vous propose de vous joindre à un donut. Le donut se compose en deux anneaux. Une base sociale pour s'assurer que personne ne manque des éléments essentiels à la vie et un plafond écologique pour s'assurer que l'humanité ne dépasse pas collectivement les limites planétaires. Entre ces deux ensembles, on trouve un espace en forme de donut qui est à la fois écologiquement sûr et socialement juste. Un espace dans lequel l'humanité peut prospérer. Mais comment on fait pour y aller ? Eh ben, c'est à vous de me donner la réponse. Ça, c'est Monsieur Économie. Pendant longtemps, il a grandi. Mais il a atteint sa taille limite. Sauf que voilà, on augmente encore la consommation. Du coup, Monsieur Économie, il grossit. Il est obèse. Qu'est-ce que vous recommandez à Monsieur Économie, sachant que l'obésité est mortifère et en plus provoque des maladies cardiovasculaires? A, on lui propose de continuer de manger et de grossir autant qu'il veut, mais on va trouver une pilule magique qui va lui permettre de décroître. On n'est juste pas sûr de comment le faire. Ou alors, un régime fait sur mesure pour t'aider à retrouver un corps sain. On est d'accord, dans ce cas-là, maigrir, c'est-à-dire décroître, n'est pas vu comme une souffrance, mais bel et bien un acte nécessaire pour retrouver un corps sain. Bon, bah go décroître alors. La décroissance, c'est une réduction de la production et de la consommation en respectant 4 aspects. Le but, c'est d'alléger notre empreinte écologique, le faire de manière démocratique, que ça soit socialement juste et dans le souci du bien-être. Tout le monde, il est gentil. Mais pour moi, la décroissance, c'est surtout la décroissance du PIB. C'est sortir de cette hégémonie et de ce paradigme. Et la croissance de plein d'autres indicateurs. Le but, c'est pas de mettre l'économie en pause, c'est juste de prioriser nos besoins essentiels. Bien sûr, on va pas dire à tout le monde de calmer le jeu. On va dire à ceux qui sont dans l'abus et ceux qui font le plus de dégâts. Oui, mais vous me direz, si la part du gâteau diminue, eh ben il y en a de moins en moins pour tout le monde. C'est injuste. Eh ben dans le cas contraire, c'est pas parce que le gâteau grandit que va y en avoir plus pour tout le monde. Monsieur Croissance, il peut décider de tout prendre pour lui. Ce gros porc. Deuxième point. Pour continuer à faire grandir le gâteau aujourd'hui, il faudrait mettre du poison dedans. Ah, pas trop envie de manger ce gâteau, personnellement. Troisièmement, une fois que chacun a sa part, bah on n'a plus faim. J'aime bien le gâteau au chocolat, mais je vais pas en manger tout le temps. Ça va juste être de la gourmandise et ça mène à l'obésité. Désolé, mais c'est toi, Monsieur Économie. Donc si vous voulez continuer à croître le PIB, il va falloir décroître la quantité de terre fertile, l'approvisionnement en eau douce, les récifs coralliens, la calotte glaciaire et le nombre d'espaces animaux sur Terre. Par contre, vous allez faire croître le niveau de température globale, les inondations, les ouragans et les vagues de chaleur, le nombre de réfugiés dans le monde, les incendies de forêt, les guerres de l'eau. Dans tous les cas, la décroissance, elle est inévitable. Elle sera subie ou choisie. Comme dirait l'autre, c'est le déclic ou le déclin. Yo, c'est encore moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Vous êtes prêts pour l'annonce? Juste avant, on n'oublie pas l'abonnement, le petit pouce bleu. Allez, c'est parti, roulement de tambour s'il vous plaît. Je rejoins officiellement l'équipe de Limite. Ça va nous donner l'opportunité de faire plus de vidéos sur les enjeux énergétiques et environnementaux
et encore plein d'autres choses. Merci à Limite pour la confiance. D'ici là, partagez la vidéo avec la famille, les amis, les collègues, tous ceux qui sont pas encore réceptifs à votre petit discours. Peut-être qu'un petit jeune qui parle de l'obésité de Monsieur Economy, ça les convaincra. Bref, à bientôt l'équipe, restez en zen et on se voit bientôt.